Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un petit sac à bandoulière. Il est simple, pratique et facile à faire. Pour le réaliser, nous avons besoin d'un coupon d'1,15 m de long et 23 cm de large, un petit coupon de 7 cm par 7, une demi-lune, 1 m de sangle pour la bandoulière, un bouton pression et du thermocollant pour notre coupon de tissu. Nous allons commencer par fixer le thermocollant au tissu. Ensuite, nous allons plier notre petit coupon de tissu au milieu, endroit contre endroit, et on va passer une couture. On retourne le petit coupon. Maintenant, on va passer la petite boucle et on passe une petite couture. On va plier notre coupon de tissu au milieu, endroit contre endroit. On va le replier comme ceci. Et à l'aide d'une petite assiette, on va arrondir les angles du haut du tissu. On découpe. On marque le milieu du tissu. On va épingler le petit bout de tissu au milieu, sur notre repère. On passe une couture. Maintenant, on va plier notre tissu au milieu, endroit contre endroit. On va faire un repère de chaque côté à 40 cm à partir du bas du tissu. On marque le bas du tissu. Maintenant, on va plier le bas du tissu jusqu'au repère comme ceci et on épingle. «
Maintenant, on va épingler les côtés et le haut du tissu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture pour tourner le tissu. On coupe l'excès de tissu de la couture, on crampe les arrondis et on retourne le tissu. Maintenant, on va passer une couture sur le rabat à peu près à 5 mm du bord. Maintenant, on va épingler la bandoulière au sac. On va plier à peu près 2,5 cm. On va épingler au milieu de la couture du côté, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va la coudre au point droit.
Maintenant, on va fixer le bouton. Voilà, notre petit sac à bandoulière est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt.